aujourd'hui les amis, j'ai triché avec le slash slash réaliste en build battle. Ah franchement, je vais vous le cacher, c'est un truc de fou en vrai. En gros, boum, tu fais une construction un peu basique, pas ouf, slash slash réaliste, entrée, et paf. Voilà, une construction de zinzin qui devient réaliste. Mais bon, je vous spoil pas, ça part, yeah, hop là, comment ça, ça part frérot? Eh, hop, on s'arrête tout de suite. Les amis, on est bientôt aux 500 000 abonnés. Le demi-million, ça fait grave plaisir. Et je compte sur vous tous derrière l'écran pour vous abonner. Et vous savez quoi, je vous laisse 3 secondes, 3, 2, 1, et boum, ça part directement. Allez hop, 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 on s'abonne. Merci à M.Roblox qui vient de s'abonner à la chaîne. Maker Game aussi qui vient de s'abonner, merci à toi. Minotore qui vient de s'abonner aussi, merci. C'est une dinguerie aussi de vous abonner les gars. Il y a tellement de gens qui s'abonnent, attention, qui sera le prochain, qui va s'abonner à l'instant, maintenant, maintenant, maintenant. Allez, c'est le petit bouton s'abonner juste en bas. Oh, Mifa la BG qui vient de s'abonner aussi, un grand merci à toi. Continuez de vous abonner, je compte sur vous. Et en parlant d'abonnés, voici la liste des derniers abonnés à la chaîne. Un grand merci à vous. Bien sûr, si t'as aussi envie de passer à l'écran, bah il suffit de t'abonner. Et tu passeras directement dans la prochaine vidéo. Le mot du jour à mettre en commentaire, c'est tout simplement vache. Voilà, vache. J'essaierai de répondre à tout le monde et sur ce, ça part. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne Roblox s'il vous plaît. Par pitié, s'il vous plaît. On est parti directement les amis en bulbe. Eh hey, hey, oh, doucement, recule. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, Pieman? Frérot, je sais que t'aimes les pieds, mais là tu me colles un peu trop. Ouais, frérot, je commence à mon ref. Bon, aujourd'hui les amis, petit bulle battle avec Natop. Et celui qui va perdre va devoir offrir 100 euros à l'un d'entre vous. Ah, mais ça c'était pas prévu ça, ah, mon gars. Vas-y, c'est quoi? Va de ton côté, je du mien. Allez, ça part. Eh ben ouais, oui, allez. Le premier thème, c'est tout simplement une maison. Voilà, une petite maison moderne. C'est quoi? Okay. Une villa. Une villa, on va faire une villa. Une villa, eh ben allez, ça marche. Avec piscine, bien sûr, parce que bon, c'est pas une villa, c'est pas de piscine, allez. Ah, bah ouais. Allez, ça part. On va directement devoir faire du coup une petite villa avec une piscine. Sauf que vous l'avez vu dans le titre, je vais tricher. Ah, le costume de pied, il me stresse, on va le retirer. Et voilà, là c'est un peu mieux. Bon, écoutez les amis, déjà de une, comment ça, celui qui perd, il doit donner des sous? C'était pas le concept ça? Moi je me disais c'est un petit build battle tranquille avec Shadow Bass. Je vais totalement tricher du coup avec la commande slash slash réaliste. Bon, déjà avant de la faire, on va directement commencer par construire du coup une petite villa. Après on fera la petite commande et on verra du coup à quel point on va la rendre réaliste. Et les gars, je veux que la top perde les 100 euros quand même. En plus Shadow Bass, regardez, il a fait un truc avec un seul de profondeur, donc pour faire une piscine ça va être un peu chiante, mais voilà, on va se faire vite fait une petite piscine comme as je pense. Alors déjà pour l'entrée, j'ai envie de la faire du coup avec du bois, un petit plancher comme ça bien propre. Ah là, comme ceci. Tu t'en très sympa. Bon, bien sûr, qui dit villa dit quartz. Et boum, voilà, on va se faire du coup une big maison en quartz comme ceci. Et en fait je suis bête, j'ai World Edit, pourquoi je l'utilise pas? Et en plus ça, faut savoir qu'on a vraiment pas beaucoup de temps, donc faut vraiment que je me speed. Hop hop. Allez boum. Et je vous le dis, on va faire super vite. J'ai envie de faire un truc un peu qui ressort un peu, voilà, comme ça. Voilà. On va se faire une piscine de 2 de profondeur, donc j'ai juste à faire tac. Ensuite, qui repart par là, dans tous les cas après on fera la petite commande pour tricher, ok. Et hop là, ça revient par là. Les gars, je suis n'importe quoi. C'est de l'architecture. Faites pas attention, c'est de l'architecture. Oh, y a un délire. Et ensuite, au fond, on va faire 7, 50% si lanterne, 50% quartz bloc et pam, voilà, ça met des lumières. Comme ça, au moins notre piscine, elle est éclairée. Et maintenant, on va s'attaquer à la petite casa. Bien sûr, les villas et des baies vitrées un peu de ce style-là. On va se mettre un petit truc qui l'entoure, voilà, comme ça, qui est parfait. Elle a pas l'air très très belle, mais on va essayer de faire notre mieux quand même. Normalement, la baie vitrée, ça va tout changer, voilà, comme ça. Donc, la petite maison, on va se faire, je pense, une espèce de maison comme ça, vous voyez. Alors, pour l'instant, ça ressemble pas à grand-chose. À l'intérieur, full plancher, les gars, que du plancher avec nous. Oh, c'est stylé, des briques en vrai par terre, ça fait une sorte de carrelage. Vas-y, on va faire ça. Boum, voilà, c'est parfait. Et voilà, c'est bon, là, c'est bon en vrai. Hein. Ensuite, on va s'ajouter, vite fait, au milieu. En fait, je peux juste mettre une porte ici. Faudrait juste que l'entrée je la fasse un peu artistique, genre un petit délire comme ça qui va sur le côté. Les gars, je suis un architecte dans l'âme, regardez-moi ça là. Regardez-moi cette entrée là. En vrai, il y a que les artistes qui vont me comprendre dans tous les cas. Faut vraiment que je me dépêche par contre, parce que si le Shadow Bass il se dit tiens, ça finit dans 2 minutes, je suis foutu. Au moins que j'ai une maison à peu près potable, ce serait pas mal. Et hop là, plus qu'à faire le petit toit rapidement. Bah voilà, petite maison moderne en vrai. Et oui, je vais rajouter de la bonne mille un peu partout, une barrière autour de la piscine. Oui, il faut que je fasse ça. Oh, c'est vrai que j'ai oublié la piscine. Attends, c'est une petite piscine juste là. Normalement, si je fais ça, voilà, petite piscine. Et il nous reste plus qu'à se faire du coup une petite clôture comme ceci, voilà, autour du jardin pour montrer que c'est notre villa, comme ça. Et j'ai vraiment pas laissé beaucoup de temps, mais techniquement ça devrait le faire. Genre là, voilà, on va ouvrir un peu comme as. Boum, je pense que là vraiment on a fini. Il faut que j'ajoute des petites lanternes comme ça un peu pour le style, pour montrer quoi, là on a du goût quand même. En vrai, ça va. Et ensuite de la bonne mille. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout autour et je vais en foutre partout comme ça. Ça va rendre juste la maison plus belle en fait. Et vous savez quoi, j'en ai marre de build. On va commencer à tricher. Et ensuite, je vais rajouter vite fait sur le dehors là, on va faire ici. Ici, walls, walk, fence, pam. Voilà. Et là, on va se mettre évidemment un petit bouton pour ouvrir la porte ici et ici. Voilà, vous voyez les gars, c'est la petite vidéo que vous
construire à l'instant, voilà, rapide, efficace, vraiment pas mal. Mais maintenant, nous allons tricher. Et là maintenant, faut que je fasse vite fait un salon. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? On va mettre un tapis genre à l'entrée comme ça, voilà. On va mettre des escaliers pour faire genre, on va mettre des lits, pourquoi pas. Alors techniquement, si je sélectionne du coup de là jusqu'ici, voilà, comme ceci. Boum, c'est fait. Là, on va se repositionner juste là. Dans le chart, on va faire slash réaliste espace. Et là, comme vous voyez, du coup, j'ai x2, x10, x50 et x100. Bon, vous l'avez compris, pour le début, pour pas être cramé, on va la rendre juste deux fois plus réaliste. Après, on passera à x10, x50 et pour la fin, x100. Voilà, comment vous dire qu'on va vraiment être cramé, tu vois. Mais bon, on commence tranquille déjà. Est-ce que je peux rajouter des petits arbres en fait, en vrai, des faux arbres, genre avec ça. Et on va mettre une télé au milieu. Oh, ça va être stylé. Réaliste x2, entrée. Oh, wesh, le bulle devient plus réaliste x2, progression. Allez, vie. Oh, c'est quoi cette dinguerie, les gars? Non, mais wesh, non, mais ils l'ont rendu 100 fois plus réaliste là. C'est pas x2. Non, mais dites-vous si ça c'est x2. Imaginez quand on passera à la fin de la vidéo sur du x100. Mais là, ça va être. Non, mais là, ma piscine 10 fois mieux. L'entrée, les lentilles. Mais tout, tout. Voilà, voilà. Eh, hey, regardez ma maison, comment elle est belle. Et là, on va se faire un petit truc en bois du coup pour l'extérieur avec des tapis rouges et blancs, je pense. On va faire rouge, blanc, comme ça. Vous allez voir, ça va être un peu stylé, je pense, en vrai. Mais mon plancher, il l'a amélioré, c'est quoi? Les baies vitrées et tout, mes petits. Oh là là. Là, on va juste rajouter un petit bloc comme ça. Ça va faire. Ça fait genre, c'est ouvert, ça tient. En vrai, je trouve ça stylé, franchement. Les gars, la piscine, on en parle avec le petit transat. Et carrément, un petit escalier avec un étage en plus. Voilà, regardez-moi ça là. Regardez-moi à quel point c'est beaucoup mieux. Et encore, on est qu'au début là. Hein. Là, vraiment, on est vraiment au x2. Je vous rappelle qu'il y a un x10, x50 et x100. Oh là là, non, il va péter un câble. En vrai, ça, déjà, ça, c'est déjà incroyable. Genre, là, on met des ficelles partout. Et là, paf, je mets ça. Et donc, du coup, ça fait un truc ouvert comme ça. En tout cas, déjà, on sait que la commande elle marche. On a bien triché. Je sais pas, on peut rajouter limite, ouais, des petits trucs à l'intérieur. Hein. Et en vrai, de vrai, je vais pas trop me casser la tête. Un truc comme ça, voilà. Un petit lit ici. En tout cas, il sait qu'on a pas beaucoup de temps pour la faire. Donc, en vrai, déjà, ça, c'est pas mal. Et j'ai envie de casser les bords en vrai. Parce que, au moins, ça rendra le truc plus moderne. Pas tant que ça, mais si, un peu quand même. Et des lanternes. Oh oui, des lanternes. J'ai mis zéro lanterne. Alors, pourtant, c'est quand même le summum de la modernité, genre une lanterne. De voir avec ça à l'entrée, genre comme as. On va mettre une plaque de pression plutôt, vous savez quoi, comme ça, pour que ce soit moderne. Ah, en vrai, il manque un petit truc quand même. Hop là, un petit panneau, parfait. Oh, et comme ça, ça se. Oh, je suis un génie, je suis un génie, c'est bon. Black wool, genre regardez, pam, comme cela, voilà. Et là, après, par contre, je vais pouvoir mettre ma porte, voilà, comme ça. Et hop, ça l'allume, et comme ça, ça la ferme. Et en vrai, on va le mettre juste là. Maison, non, mais pas maison, comment ça? Villa de Shadowbass, voilà. Évidemment, maintenant, il faut qu'on rajoute vite fait des petits blocs. Donc, si je fais ça, vous voyez, ça fait des petits trucs comme ça, voilà. On va le mettre en rouge comme ça, il va bien le voir. Et là, dernière petite étape, on va ajouter vite fait des petites lanternes un peu partout. Et voilà, c'est bon, le temps est écoulé. Non, franchement, et sans la commande, je pense que j'aurais perdu là. J'ai hâte de voir ce qu'il nous a fait. Ok, la top, c'est terminé, mon frérot. Allez, hop, 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 okay. On pose les crayons, on pose les blocs, on pose tout. Allez, c'est tout posé, c'est bon. Bon, la question, on commence par qui là? On commence par moi, par. Vrai, je sais pas. On peut commencer par la mienne, mais plutôt ça. Vas-y, j'arrive, Bob, t'es prêt? Je suis ready. Et carrément, tu me vois là, tu me regardes? Là, je te regarde, je suis devant toi là. Là, je te fais l'honneur carrément. Là. Paf, je la regarde en pied. Hey, ouais, wow. C'est pas un honneur ça. Oh, c'est pas mal. C'est une petite maison moderne, petite voilà. Maison moderne, je te laisse aller à l'intérieur. Oh allez. Ouais, en fait, attends, tu t'es plus donné sur la déco que moi. Oh non, j'ai la haine. Moi, j'ai fait une petite déco. Ouais, vite t'as fait, fait une ouais. Déco, elle est cool. Genre, là, je te pose ici, voilà, en vrai, la petite télé. Tu regardes le film, t'as non, un franchement, petit jukebox là. C'est stylé, hein. Oh, allez, mon gars. Attends, attends, yeah. Rends-moi ça là. Oh là là, mais il danse le petit Shadow là, il danse. Bon, sinon, 7 sur 10, allez. T'as vu ma super piscine? Non, avec piscine, un petit bon joueur pour. En vrai, en fait, pour le temps que t'as pris, je te mets même 7,5 sur 10. Parce qu'en vrai, on a pas eu beaucoup de temps pour généreux. La faire. Hein. En fait, moi, je me suis plus donné sur la villa et j'ai pas fait l'intérieur de fou comparé à toi. Tu sais, je vais voir. C'est quoi, vas-y. Hein. Ok, ben je vais voir, vas-y. On passe à la mienne, t'es prêt? Hop. Ouais. Wouah, c'est une super porte, mec, elle est incroyable. Oh, oh, ça va. Punaise, ah oui. Ah ouais, t'as la petite piscine avec les petites serviettes de plage. Mais l'intérieur, moi, c'est j'ai la haine comparé à toi, il est un peu nul, tu vois. C'est, j'ai la pas le temps. Villa de Shadowbass. Ah bah oui. Ah ouais, toi, effectivement, il y a pas de lumière et il y a deux lits, ouais. J'ai parlé de villa. J'ai là, franchement, au niveau villa, franchement. Ça, c'est une villa de villatesse, quoi. Ah ouais, elle est vraiment stylée. Juste pour l'intérieur, le j'ai un peu pas, j'ai pas eu le temps, quoi. Mais sinon, piscine. Elle est vraiment, vraiment stylée. Ah mon putain. Gars, architecture de fou. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure. Bah ouais, mec. En plus, t'as les escaliers pour monter, et tout. Non, en vrai, c'est trop stylé, je te mets vitré. Oh, 9! Oh, let's go, c'est bon, les gars, on a win. Voilà. Voilà. En vrai, c'est vraiment belle, ouais. Il y a même un arbre, tu vois, j'ai mon arbre perso juste là, frérot. Mais oui, en plus, et puis t'as les murs comme ça avec les vitres, ça fait stylé. Oui, un petit flobo. Sympa, ouais. Du coup, j'ai gagné le premier round, hein, la top. Hein. Bah, ouais, mais. Et 100 balles, hein. Faut pas s'oublier, les 100 balles, frérot. Ouais, non, mais j'y pense très fort, Shadow, j'y pense intérêt vraiment à fort. Parce que du coup, le prochain thème, c'est tout simplement un golem de Minecraft. Voilà, faut oublier un golem de Minecraft, ok. Allez, sympa, on a pas beaucoup de temps. Allez, on enchaîne. C'est vrai qu'on a pas de temps, ouais. Oh, les gars, pour l'instant, il a rien cramé. Oula, attendez. Hop là, plus de pied. Et pour l'instant, en vrai, la top, il
n'a rien remarqué. En même temps, bon, la maison était clairement faisable avec Ordnance et tout. Mais là, on passe à l'étape supérieure. Je vais devoir faire du coup un petit golem de Minecraft. Pour ceux qui savent pas du coup ce que c'est, même si ça m'étonnerait, c'est ça. Voilà. Vous le remarquez de façon. Alors, un petit golem de fer. Ok, intéressant. Bon, au début, du coup, on va faire un petit build. Puis on va le rendre 10 fois plus réaliste maintenant. L'étape au-dessus. Faire le golem de fer, du coup. Donc, comment on fait un golem de fer? C'est avec des citrouilles et avec des blocs de fer. Donc, normalement, tu fais tac, tac, tac. Et pam, voilà. Et ça fait un golem. Voilà. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Voilà, c'est stylé. Donc, on va en faire un. Allez, ça part. On commence directement par ces petits pieds. On va faire des petits pieds comme ça. Voilà, simple. C'est un petit golem quand même. Dans tous les cas, à la fin, on pourra faire la petite commande slash réaliste. Et il sera dans tous les cas 100 fois mieux que ce qu'on va faire. Voilà, on va faire un truc comme ça. Lock, pam, comme ça. Voilà, j'ai mis 50%. Oh, c'est stylé en vrai. Et bon, faut quand même faire un petit truc quand même assez cool. Du coup, on va partir sur un petit golem comme ça. Voilà. Voilà, tranquillement, des petits pieds. Et j'ai remarqué que ça parle beaucoup de pieds dans cette vidéo. C'est un peu bizarre là. Et ensuite, il est plus fin après, je crois. Il est vraiment fin au milieu. Non, il fait la même. Ok, il fait la même truc, mais c'est genre là, ok. Hop là, on prend de la hauteur un petit coup. Et là, on lui fait un gros torse. Parce que bon, en tout cas, le golem, on sait, il a un gros torse comme ça, bien imposant. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais attendez de voir la petite suite. Voilà, comme ça, boum. Voilà. Et pour le coup, il est vraiment tout sauf réaliste, hein, mon golem, mais vraiment. C'est 3 de hauteur, hein, il me semble. Du coup, on va remettre encore du fer comme ça, voilà. De toute façon, j'ai pas le temps. On va faire super vite quand même. Voilà, parfait. Alors, au niveau de la tête, j'hésite un peu. On va juste faire une petite tête, hein. On a pas le choix, une petite tête comme ça. Ouais, ok, c'est plus large de 2 blocs, on va dire. Donc, 1, 2, comme ça, hop. 1, 2, voilà. Et hop, 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 hop. Oh, oh non, les gars, sa tête elle est de travers. J'ai trop la haine. Sa tête elle est de travers là. Bon, puis on va la grandir comme ça de ce côté là aussi. Allez, hop, comme ça, parfait. De toute façon, il a un gros crâne, le golem. Ça, tout le monde le sait, comme ça. On va faire un truc comme As, je pense. Tac. Et après, on lui fera ses petits bras. Oula, bah, il va avoir des bras minces, hein. J'ai pas trop le choix. Hop là, ses petits yeux, comme ceci. Son nez, il est vraiment en gros. De toute façon, tout le monde le sait. Oh non, mais là, c'est un clown. Oh, mais là, c'est un clown que je viens de faire. Les gars, c'est pas un golem. Elle va lui mettre ses petits bras qui ressortent un peu comme ça. J'ai trop peur vraiment de ce que je suis en train de faire. En vrai, c'est un petit flow en vrai. Là, c'est ses petits bras qui ressortent. Parfait. Hop là, de ce côté-là aussi, on met ses petits bras qui ressortent comme ceci. Voilà, non, c'est parfait. Voilà. Non, mais c'est quoi ce golem? Attends, et la tête, du coup, elle est un peu sur l'avant. Elle est genre là. Voilà, il a un peu un torticolis, mais on va dire que ça passe. Bah, au moins, on reconnaît que c'est un golem, tu vois. Pour le rendre un petit peu plus beau, on va lui mettre un petit coup de feuillage un peu comme ça. Voilà. Parfait. Sur sa jambe aussi. Sur ses petites mains comme ça, voilà. Et dans sa main, il va tenir, je sais pas, un bloc, un petit bloc comme ça, voilà. Pourquoi pas, on le met juste là, parfait. Ah, voilà, c'est pas mal. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est simple. Déjà, je vais lui faire un chapeau citrouille. Ça peut être marrant de lui faire après un chapeau citrouille en mode comme ça. Parce que comme ça, ça rappellera le craft un peu, on va dire. Voilà, c'est un golem. J'ajoute de l'originalité, moi, messieurs. Un plus gros crâne, voilà, on sait jamais. Ah, ouais, là, c'est un golem. En vrai, on reconnaît que c'est un golem quand même. Mais bon, dans tous les cas, ça sert à rien. Puisqu'on va tout simplement, du coup, hop, de là jusqu'ici, on va faire la petite commande spéciale. Voilà, hop, on cache tout ça comme ceci. Boum, on sélectionne. Et normalement, là, c'est l'évolution en vrai. Il est trop stylé son truc. Et là, vite, du coup, je vais ajouter des petites mousses comme ça. Tac. Bon, dites au revoir ce gentil petit golem. Parce que du coup, je vais tout simplement le rendre plus réaliste. Oh là là, et j'ai juste vite fait modifier ses yeux. Et on va faire du coup des petits yeux en mode charbon. Il a des yeux rouges, hein. Donc, on va faire comme ça. Ensuite, il a des yeux genre comme ça. On va mettre des petits boutons noirs après sur les yeux. Ça fait des pupilles. Pam, pam. Et voilà. En retour, il était quand même pas mal. J'ai un peu la haine. Il est mignon, tu vois. Il est pas ouf, mais il est mignon. Voilà. Je viens de remarquer que la tête était pas centrée parce que le corps en lui-même n'est pas centré. Ça, c'est chiant, mais on va dire qu'il fait un peu de breakdance. Slash réaliste et on va faire du coup le x10 maintenant. Ah là là. Alors, ça, mon gars, ça va être stylé. Et c'est ciao. Oh, le but de plus en plus réaliste x10. Il est trop moche, c'est horrible. Oh, je vais vraiment le mettre comme ça plutôt. Encore. Voilà. Oh, ça ressemble un peu, hein. Progression, ça part. On attend. Attention, le résultat. Oh, 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 oh. C'est quoi cette dinguerie, les gars? Faut juste que toute cette partie-là, j'enlève la mousse, quoi. Mais sinon, à part ça. Et là, pareil. Faut que j'enlève sur la jambe là. Mais après, il ressemble un peu, hein. Mais je ne peux pas avoir plus réaliste que ça, en fait. En fait, c'est vrai. Techniquement, bah oui, si on part sur du réaliste, surtout que là, on a fait du coup x10. Alors, on voit que le but, il est vraiment 10 fois plus réaliste que ce que j'ai fait. On va remplacer la white terracotta par des blocs de fer, hein. Ce sera moins fidèle, mais en vrai, c'est plus stylé. Oh là là, mais la tronche qu'il a, ça, j'enlève. Il est terrifiant, hein. Là, quand même, c'est incroyable. En vrai, avec des petits coups de Word Edit. Non, c'est faisable. Après, je crois que j'ai fini un peu trop vite, en fait, comparé à lui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller l'espionner. Mais j'ai oublié son pif. Mais comment j'ai pu oublier son pif? Il a un pif quand même. Allez, hop. Invisibility, on se prend quoi? On se prend 8 minutes, voilà, basique. Et boum! Allez, ça part! À partir de maintenant, je suis invisible. Ah, par contre, il est vraiment stylé. Oh, je kiffe mon golem. Peut-être des bras plus gros. Je vais prendre ça. Et ensuite, on va choper tout ça. Voilà. Et là, il a des gigabras, là. Il est furtif. Furtif, les gars, on va passer par là tranquillement. Oh!
Il aurait gagné. Je vous promets, il aurait largement gagné. C'est trop moche, c'est trop moche, c'est trop nul. Je sais pas ce qu'il fait Shadow à côté, mais je suis sûr qu'il va faire mieux que moi. Parce que c'est pas difficile de faire mieux que moi de toute façon. J'ai envie de lui mettre une petite TNT dans la tête. Regardez la top, il est juste là. On fait le tour. C'est bon, regardez-le là. Par contre, il est trop stylé le sien. En plus, il est un peu dans le thème Halloween et tout, ça rentre vraiment bien. Bon, après, quand tu regardes le sien, puis après, tu regardes le mien, voilà. Natop vs Shadow Bass, voilà. On voit quand même que le mien est beaucoup plus réaliste que le sien qui est juste là. En vrai, je sais pas comment l'améliorer. Ah, il y a des trucs plus foncés, genre là-dedans, genre comme ça, tu vois. De toute façon, je crois qu'on a pas le choix. Je crois qu'il est vraiment temps de faire le reveal. Il a un contour un peu vert, on va dire. Donc, il y avait un truc comme ça ici. C'est quoi, les gars? J'ai envie de mettre des TNT dans son gros crâne là. Et hop, on fait comme ceci. Parfait. Et on rebouche. Allez, je pars, je suis invisible. Et toi, monsieur Golem, alors qu'est-ce que tu penses de ma super construction? Est-ce que ça t'a mis à ton honneur? Héro. Oh, mais il me tape même pas. J'ai lui mis TNT. Bah, Shadow. Mais c'est bon, pète un câble, ça a rien fait. Que c'est que ça? Il a mis une TNT et c'est ça son troll, genre. Et au moins, ça lui mettra un petit doute. Il veut secrètement détruire ma construction, mais il y arrive pas, parce qu'il y avait de l'eau. Et ouais, mon gars, j'ai un tour d'avance sur toi, mec. J'avais mis ma piscine cachée. Ok, la top, c'est terminé, mon frérot. Ah, Shadow, dis-moi, t'aurais pas essayé un peu de me troll? Non, bah, après, non, c'est pas ton genre, non. Ah, ça va, est-ce que j'ai cassé ton bulle? Non, voilà, j'ai... T'as essayé, quoi, il y a une petite TNT qui a fait boum, bah, mais bon. Je t'ai fait un petit bruit. C'est pour te, voilà, titiller un peu. Bon, en vrai, pour une fois, ça va, tu triches pas. Parce que tu m'as juste fait ça pour l'instant. Ça va, oui, j'aurais pu casser ton build et faire ah bah non, oui, c'est pas vrai, moi. Parce que d'habitude, tu l'aurais pété mon build là. C'est vrai. Alors, le tien. Tu peux avoir la... une œuvre d'art. En vrai. Ouais, en vrai, il est pas en mal. En vrai, hein. Il est pété du. Il est nul. Non. En vrai, t'as respecté le. Si. Bah, pour le temps. En vrai, c'est vrai qu'on a quand même eu plus de temps qu'avant. T'aurais pu faire mieux, mais je sais pas ce que. Oui. T'as passé du temps à faire quoi là? J'ai pas compris là. Bah, tout. T'aurais pu faire mieux, on a quand même bah, pas je mal je sais de... bien, mais au début il était pire, donc bon. Ok, non. Et pire il que ça, mignon. Faut le faire. Il est faire. Pas incroyable, mais il est mignon. Il a un petit côté mignon, j'aime bien. En plus, t'as fait un petit thème Halloween avec un petit bonnet Halloween. Bah oui, je lui ai fait ça. Un petit chapeau. Juste pour voilà. Ça, tu prends un 7 au lieu d'un 6. Tu prends un 7. Oh quand même. Juste pour le thème Halloween. 7 pour ça, t'es généreux, hein, parce ah, que. Ça va. En plus, t'as mis les petits yeux rouges comme ça, d'ailleurs. Je t'ai gardé une petite surprise. Allez. Bah, comment ça, mon ref? Bah, vite de l'eau, bon. Quoi. Il est noté maintenant. Oh non. Il est noté maintenant. Mon golem de compagnie. Il a plus de tête, frérot. Oh, t'inquiète, je vais voir le mien. Il est un petit peu mieux. Vas-y, quand même. J'arrive. Je crois que vraiment, je vais beaucoup mieux. Après, moi, j'ai respecté la lettre. Hein. Tiens, hop. Fais voir. Je vais voir. 3, 2, 1. Oh, mais une voilà, porte. Ouais. Oh, une autre porte. Oh, encore une porte. Mais. Ah oui, bah. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, ah, à la lettre. Quoi. Bah, c'est à la oui, lettre. Bah, ouais, lettre. Effectivement. T'en penses quand, en vrai? Oh, mais il est massif le truc. Ah ouais. Chaque pixel, ça en est 4. Ah oui. T'as l'impression que c'est un bloc alors que ça en est 4 en fait de loin. Ouais, c'est ça, c'est abusé. Après, on a quand même eu 20 minutes quand même pour le faire. Donc, je trouve que. Ouais, mais bon. Quand même. J'ai fait de mon mieux, moi, Shadow. Tu me notes combien le mien sinon? Bah, 10 sur 10, il est parfait. Genre, oh, qu'est-ce que je te dise de plus? Mais ouais, non, mais les gars, je vais l'éteindre, là, c'est bon. Mais heureusement, il reste encore deux thèmes, hein. Tu sais qu'on peut encore égaliser là. C'est non, vrai, mais j'ai une autre surprise pour toi, Shadow, en fait. Non, mais, il va couper la tête de mon golem aussi. Non, mais voilà, quoi. Il est tellement grand que moi, ma tête, elle existe encore, tu vois. Genre, c'est ça. Il a saigné des yeux en voyant mon build, c'est pour ça. Bon, allez, on enchaîne. Troisième thème. Et tu sais quoi, là, on part sur un. On sort un peu l'univers de Minecraft, on va partir sur Yoshi. Tu vois ce que c'est un peu Yoshi ou pas? Mais je vois exactement qui c'est, Yoshi. On va se faire il un... fait à peu près ça. Bah oui, voilà, c'est ça. Bah ok, bah on fait aussi ça part. Let's go. Eh les gars, on est d'accord, il va pas cramer là pour l'instant. Il va pas encore cramer. En vrai, le build de Shadow était quand même massif. Mais bon, on a eu 20 minutes pour le faire. Et en plus, il fait ses petits builds pour ses vidéos. Genre, vu qu'il poste beaucoup de vidéos, bah il fait beaucoup de builds en vrai. Et en plus, il avait le thème en avance. Donc ça me surprend pas en vrai, parce que peut-être qu'il a préparé un petit plan, tu vois. Une petite image, voilà, direct pour savoir quel bloc utiliser, machin. En fait, ce qui est bien, c'est que je nous ai laissé 20 minutes pour ce golem là, tu vois. En fait, je nous aurais laissé 5 ou 10 minutes comme la première. Bah là, j'aurais été cramé, tu vois. Mais bon, vu qu'on a eu 20 minutes, en vrai, ça passe là. Hein. Bon, le prochain, je dis rien, vu que ça va être un réaliste x 50. Ah là, il y a moyen qu'on se fasse cramer, tu vois. Et encore, la fin, c'est x 100. C'est pas grave, on va maintenant refaire un petit Yoshi, du coup. Encore une fois, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble un Yoshi, bah Yoshi tout court, il ressemble à ça. Voilà, c'est le petit bonhomme tout vert comme ça. Je vais vite fait chercher une petite photo de Yoshi Minecraft build quand même sur l'internet. Alors, du coup, pour ça, il va nous falloir du coup des blocs orange. Voilà, ça c'est bien ça. Bien sûr, des petits blocs verts, vu qu'il est vert, voilà, comme ça. Bah, techniquement, là, j'ai toutes les couleurs. Je vais faire une tête de Yoshi en pixel art, à mon avis. Comme ça, c'est plutôt rapide, en vrai. C'est plutôt rapide. Donc, il va me falloir 5 types de blocs seulement. Ça va, en vrai. On commence directement avec ces petites chaussures. Vraiment, il y a vraiment des petites chaussures comme ça. Voilà. Ça, c'est des petits pieds. Oh, ça reparle encore de pieds. Je vais péter un câble, j'en peux plus. C'est vraiment pas beaucoup pour le coup. Et je vais même peut-être faire son œuf après. Donc, on va prendre ça, ça, ça. Et des blocs blancs. On va mettre ça, je pense. Et en gros, c'est tout. Ok. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop là, il augmente comme ceci en hauteur. Parfait.
Allez, regarde-moi ça. Voilà, c'est nickel. Tac, 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 tac. Ah, pareil. Une, deux, trois ici. Une, deux, trois ici. Alors, je sais pas s'il a un gros corps comme ça. On va faire un petit corps comme ça quand même. Ça va. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, il faudrait faire du coup les petits reflets sur son ventre. Je crois qu'il a un petit truc comme ça un peu au niveau du ventre. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Ok, bon. Ça ressemble pas vraiment à Yoshi pour l'instant. Mais en fait, si j'ajoute ça comme ça. Et ensuite, je mets tout en vert après. En fait, en gros, sa tête, elle va partir comme ça. Et ensuite, c'est tac, 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 tac. En vrai, ça va tellement vite à construire. C'est une dinguerie. Et on va essayer de faire un petit dégradé de couleur dessus. Ça peut être pas mal. Voilà, un petit dégradé de couleur. Voilà, comme ça, c'est pas mal. En vrai, ça va. Boum, ok, un peu plus large. Ça va. En fait, on commence à savoir que ça va être Yoshi, quoi. C'est déjà ça. Regarde-moi ça. J'ai juste à tout remplir là de concrète verte, de lime comme ça. Hop, c'est un truc comme masse. Je crois. Non, c'est là-haut. Je suis bête. Non, c'est comme ça. Donc ça va. En vrai, ça avance. Ok, sa petite main ici. Oh, ça va. En vrai, je trouve il va être mignon. Voilà, comme ça, on se casse pas trop la tête. Parfait. Regardez-moi ça là. Oh, il est mignon. Il est trop mignon. Voilà. Bon, je suis un peu bébête, mais en vrai, regardez, on dirait déjà Yoshi en vrai. Genre, ça va tellement vite. Là, j'ai juste à rajouter ses petites narines comme ça là. Voilà. Maintenant, c'est la tête. Ça va être vraiment important de la réussir en vrai. Hein. Même si bon, j'aurais juste à faire une petite commande après slash réaliste 50. En plus, là, on est à l'étape supérieure, c'est-à-dire que là, ça va être 50 fois plus réaliste que ce que je viens de faire. Ah, est-ce que j'aurais pas fait une... Non. Si, j'ai fait une connerie parce que c'est comme ça, donc c'est ici que ça, à partir d'ici que ça monte, ok. Ah oui, mais ça monte de 3. Ah non, ça monte de 2. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Et c'est pas grave, on va dire qu'ici ça monte de 3, car ici on est très original pour les builds. Je pense que la tête on va la faire un peu en mode débilos, un peu comme ça, voilà, un petit débile. Une de 3, hop, 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 hop. Est-ce qu'on va reconnaître Yoshi? Mais même un truc aussi simple, j'arrive à le foirer, c'est quoi ça? Hop, normalement il a un gros nez qui ressort un peu comme ça, parfait. Toute cette zone là, je vais la couper, je vais la refaire. Il est assez gros ou pas? Non, il est pas assez gros, Yoshi, il a un nez beaucoup plus gros en vrai. Voilà, un peu plus grand, hein. Un peu plus grand, voilà, on sait jamais, voilà, là je pense que c'est bien. Et vous savez quoi, Shadow il va dire c'est fini, il y aura une moitié de Yoshi, je vais être là en mode mais c'est pas grave, écoutez, je répare mes bêtises, donc c'est une, deux, une, deux, une, deux, comme ça. Par la suite, du coup, il a ses deux petits yeux qui ressortent juste là, et du coup si je fais ça, 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 comme ça, voilà, et je mets des yeux un peu de débile, voilà, oh. Bon, mais on dirait un petit poulet, on dirait un poulet. Non mais les gars, c'est moi en fait, c'est pas Yoshi, c'est moi. Une, deux, comme ça. Ouais, donc j'ai fait un bloc trop large, mais c'est pas grave, en vrai, je vais juste faire un bloc plus haut là. On va lui faire des petites joues ici, comme ça. Ah ouais, il lui faut des petites joues en fait. Pour les yeux, c'est compliqué, attendez, si je remplace ça comme ça, et que les yeux, je les fais un peu comme ça. Oh, c'est un cyclope, oh c'est un cyclope, mais c'est tellement mieux. En fait, il est beaucoup mieux en cyclope. Si on fait ça, il a qu'un œil. Il a qu'un, bah en vrai, on va le laisser comme ça, dans tous les cas, on le rendra plus réaliste après. Bah, là, c'est Yoshi le cyclope. Tac, 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 je vais juste casser ça, vite fait. Et ensuite, un ici. Voilà, et je monte faire le petit contour comme ça. Et on a un Yoshi, normalement. Est-ce que vous êtes prêts? Oh, oh, il est stylé. Hop là, on a grandi un peu l'arrière, un peu plus de 3D. Et je pense que, ouais, voilà, c'est bon, il est fini mon Yoshi en vrai. Il est trop mignon. Et j'ai envie de lui rajouter un petit sourire. Regarde-moi ça, on dirait qu'il a un petit sourire. Oh, il est stylé en vrai. Mais bon les amis, il faut le rendre quand même 50 fois plus réaliste. Allez, ça part, on sélectionne de là jusqu'ici. Boum, voilà, c'est fait. On se met juste là devant. On va devoir lui dire au revoir les gars, on a pas le choix hein. Allez mon petit Yoshi, on va se dire au revoir du coup, on se prépare. On a tout sélectionné comme il faut, on se positionne. Slash réaliste, espace x 50, je suis tellement pas prêt mais go, c'est bon, le build de plus réaliste x 50, allez. Et là on va faire son 9 à côté je pense, et pour son 9 j'avais vu un autre pixel art, voilà, ok. On va se faire vite fait son 9 à côté, 1, 2, tac tac, 1, 2, 3, en vrai c'est qui votre personnage préféré de Nintendo? Parce que là on parle de ça hein, clairement. Yoshi c'est un personnage qui est connu et reconnu, donc en vrai j'aimerais bien savoir, vous c'est qui votre personnage préféré en vrai? Dites-le dans les commentaires et puis moi je les lirai et je répondrai peut-être. Progression! On va y arriver, on va y arriver, attention! Oh! Non mais les gars, ça me surprend même plus en fait, regardez! Fois 50! C'est vraiment 50 fois plus réaliste que ce que j'ai fait! Non mais les gars, c'est une dinguerie, les petites chaussures orange, le gros nez, regardez-moi ce gros piche! Donc là, l'œuf est quasiment terminé, pam! Et donc là, on va devoir juste. Ah ouais, mais attends. Je vais remplacer par la concrete powder, enfin par de la white concrete plutôt, au lieu de mettre de la poudre. Et c'est quoi, j'ai vite envie de les modifier, de les mettre un peu en noir, voilà. Comme ça, en full noir. Je trouve que ça rend un petit peu mieux. Voilà, c'est bon. Ça, c'est un vrai Yoshi, ça. Regardez-moi ça, là. Oh là là. Et regardez-moi ça, comment l'œuf est vachement plus stylé. Tu sais quoi, je vais même le faire pour Yoshi, je pense. Non, franchement, il est incroyable. Regardez-moi ça. Oh, bon, par contre, à deux autres dépasser du mur, hein, tellement il est gros. Oh, la dinguerie. Sinon, il est incroyable, hein. Et en vrai, de vrai, j'ai hâte de voir ce qu'il nous a fait, l'atome de son côté. En vrai, il va voir ça. Je pense qu'il va vraiment péter un câble. Même si on a vraiment beaucoup plus de temps pour faire, dans une demi-heure cette fois-ci. Mais je pense qu'il va quand même péter un câble. Il va vraiment péter un câble. Comme ça. Et ensuite, je mettrai, ouais, plein de textures. Je remplacerai par plusieurs blocs et tout. Pour rendre le tout plus stylé si j'ai le temps. Et j'espère que j'aurai le temps. Normalement, ouais, je pense que ça devrait aller. Shadow, il a pas pu finir déjà son truc. Donc, en vrai, ça devrait aller, je pense. Parce qu'en vrai, j'ai beau avoir le niveau pour les trucs d'avant, ça, j'ai
pas encore le niveau, tu vois, parce que c'est vraiment trop parfait. Mais bon, on va voir ce qu'il en pense. Et voilà, j'ai même fini son petit œuf, voilà, qui fait sa taille, mais bon. Ok, Natop, c'est terminé. Oh, bah parfait, moi, j'ai fini mon petit truc sympa, voilà. Alors attends, j'ai enfilé mon custom de pied. C'est bon, j'arrive en oh, pied. Oh non, là. Non, pitié, non, tout, mais pas ça. Eh, toi, t'es pas de faire spoil, tourne la tête. Ouais. C'est bon, je suis là. Oh non, non, mais c'est bon, non, mais non, tout, mais pas ça. 3, 2, et j'ai horrible, c'est skin shadow. Mais quoi, c'est Yoshi? Mais c'est en pixel art. Il a fait le bruitage. Bah oui, mais. Genre, tu veux que je fasse quoi, un Yoshi avec une tête carrée bah, un comme Yoshi... ça? Oui, un Yoshi 3D comme ça, oui, oui. Salut, c'est Yoshi. Tu as fait un pixel art. Bon, après, pixel art, c'est les perfects, c'est un pixel art, gros. Bah ouais, mais. Hey, tu t'aurais préféré ça? Bah ouais, oui. Une bouche. Bah, il est bah, t'as choc barre. T'as oublié son gros nez qui est comme ça. Ah, ouais. Oh là là, mais mec. Non, en vrai, il est bien. Mais t'aurais pu faire un petit truc en 3D quand même. On avait quand même assez de temps pour faire un truc en 3D. Ouais, mais bon, je préférais commencer un petit truc en 2D histoire t'es juste un flemmard. Finir mieux. Dis-le, t'es juste un flemmard. Je suis pas un flemmard, je voulais juste faire un truc stylé pour une fois. T'as vu mon golem? Les volets vont décider. Vas-y, viens voir le mien. Viens voir le mien. C'est quoi? Viens voir le mien. Toi, je te donne en vrai, je te donne 6 sur 10. Allez. Ah, bah c'est déjà pas mal. Ou la porte. Oh, une. Mais oh, le running guy. Le running guy. Non, mais. Quoi tu rigoles? Non mais Shadow. Ah, on avait pas mal de temps. Non mais on avait pas mal de temps, mais pas assez pour faire ça. T'as fait une base. C'est un peu suspect, Shadow, déjà une base. Ah, c'est pour le mec, c'est une statue de Yoshi pour lui faire honneur. Mais c'est une statue de Yoshi pour lui faire honneur. Tu fais jamais de base sur tes bulles, arrête, Shadow. Arrête de mentir. Non. Si je fais deux bulles. Et la taille du truc, mais c'est quoi? On peut même aller dans son corps et il y a une salle secrète cachée, c'est ça? Ah ouais, il y a une porte secrète ici que j'ai mis. Non, c'est faux. Il y a juste rien du tout, frérot. Oh mon dieu, je suis tombé de son menton flûte. Ah mec, mais mec. Ah, quoi, mais non mais les doigts sont giga détaillés, c'est quoi ça? Ah c'est bon, il y a 1 2 3, il y a 8 blocs. Genre ça c'est détaillé. Et il y a 8 blocs mais bon, encore les corps d'édite ça se tente en vrai. Attends, déjà tu me notes combien? En vrai, c'est quand même des sphères. Oui, c'est des sphères corps d'édite. Mais attends, c'est quoi attends? Je te mets 9 sur 10, ouais. C'est quoi, je triche encore? Viens, on pense, c'est quoi, on fait un truc, là je lance une chance. Je lance un thème bonus. Là vraiment la vidéo change de thème là, c'est bon. Thème bonus et celui qui win ce thème là a gagné, OK? OK. Bah je suis chaud. J'ai compris que je triche pas. On aura quelques minutes pour le faire. En quelques minutes, on a quand même pas mal assez de temps. C'est quoi le temps qu'on veut? Ok. Et celui qui gagne le prochain thème gagne le tout. Et du coup, c'est là que tu gagnes, c'est moi que j'en ai 100 euros aux abonnés, ok? Ok, vas-y. Je triche pas, c'est bon, parce que j'en ai marre là. Ça y est, dès qu'on fait un truc stylé, tu triches. Allez, vas-y. Rentre là-dedans. Voilà, hop, allez, ça part. Allez. Ok, les amis, on repart pour le quatrième thème bonus. Bon, je crois que Natop, les gars, il est bon. Ouais. En fait, au début, il pensait avoir cramé, mais après, il a accepté quand même mon défi. C'est-à-dire qu'il a un petit doute quand même. Il avait quand même assez de temps, mais bon, je sais que là, on part assez pour faire le Yoshi, hein, je vous le dis entre nous. J'ai joué un peu avec le World Edit, les sphères, un peu du nez de Yoshi, c'est faisable. Mais là, il était vraiment trop parfait. Non, mais les gars, entre nous, Shadow, il dit qu'il triche pas, mais ça se voit qu'il triche. Déjà parce que, même moi, j'ai déjà utilisé un Yoshi similaire. Il avait une base. Les Yoshi que tu trouves sur internet, ils ont une base. Bon, du coup, les gars, j'ai envie de faire un petit truc. Regardez-moi ça. Je vais casser ces blocs-là. Voilà, comme ça, je vais me cacher dans le coin là. Regardez-le là-bas. Il a rien build du tout. Du coup, on va vite fait l'observer. Regardez-le, le petit Shadow là-bas. Genre, là, du coup, le thème, c'est un château rose. Il y a des châteaux roses, tout simplement, du coup. On va prendre, du coup, des petits blocs roses un peu partout. Voilà, comme ça. Voilà, un peu de tout. Dans tous les styles possible, voilà. Donc c'était château rose, hein, le thème, il me semble. J'ai déjà commencé une petite sélection de blocs, voilà, ça peut être marrant. Allez, ça part, on va se faire une petite première tour juste là. Voilà. Il est petit un peu, bon, de toute façon, on va le rendre plus réaliste, les gars. Là, on est sur du fois sans réalisme. Je suis en train de l'observer là. Qu'est-ce qu'il nous. Ouah, wow, mais il se téléporte à chaque fois. C'est... Ah, c'est ça son build. Bah, vas-y, vous savez quoi, je vais faire un petit truc là, parce que c'est bon. Je vais vite faire un truc un peu plus stylé quand même. De là jusqu'ici. Voilà, ça va, hein. Voilà, dans les châteaux, vous connaissez toujours les petits trucs comme ça. On va les mettre aussi. Non, je vais le faire un peu avec un autre bloc. Oh, avec ça, c'est parfait. Oh, c'est parfait. Et voilà, c'est pas mal. Petite entrée de château. On va prendre des blocs plus foncés. Bah, ceux-là, en fait. Je vais faire un truc avec des espèces de modules. Comme ça, tac. On va mettre vite fait des vitres roses. Tac, tac. Boum! Voilà, comme ça, je ferai mon entrée juste là. Parfaitement bien. Et par contre, j'ai envie de voir où il en est là. Regardez ma tour, elle est stylée en vrai. Bon, je vais la monter un peu plus, mais. Non, mais frère. Mais c'est quoi ce build là? En vrai, il est un peu stylé en vrai, franchement. En vrai, je crois qu'il est quand même plus stylé que le mien. On va peut-être modifier un peu. Hop là, escalier en quartz comme ceci, c'est parfait, je pense. C'est carré, ouais. Ah, c'est un beau château quand même. Franchement, je trouve, on a fait quand même un bon truc, hein. Mais bon, je vous le rappelle, ça va être 100 fois mieux juste après. Donc bon, ça vraiment, c'est que le début. Et vas-y, je vais encore l'observer là. Je suis sûr, il va placer une schématique ou un truc comme ça là. C'est une petite entrée comme ça, vraiment, c'est. Oh, c'est stylé. Ok, non, mais ça avance son truc. Mais il est stylé, c'est ça le problème. Même moi là, il est moche mon truc. Alors que bon, je triche quand même un peu. Un peu de déco juste là, comme ceci. 20. On fait ça comme ça et on se fait un petit pic concrete. Voilà. Par contre là, va falloir vraiment trier tout ça. Hein. Va falloir que je fasse des petits cuts un peu cool quand même. On va vite fait boucher en haut et ajouter des petits blocs comme ça. Ça fait château. Oh, il est tellement bancal. Les gars, c'est quoi ce château nul? C'est quoi ce château nul? J'ai tout cassé. Bam. Regardez-moi ça, ce château magnifique. Et vous savez quoi? Je vais arrêter le massacre. Je vais juste faire le petit drapeau en haut comme ça. Voilà, le petit drapeau tout nul. Voilà, le drapeau rose comme ça. On va faire un pont-levis vite fait, une sorte de pont-levis machin. Ouais, on est à peu près au milieu là. On est au milieu même, j'ai envie de dire. Et c'est un truc vite fait, fait en deux speed façon. Et maintenant, il est temps de faire du coup notre commande magique. Parce que bon,
quand tu vois ça, c'est pas tant réaliste que ça, tu vois. Allez, ça part. Comme d'habitude, on sélectionne juste ici. Puis après, on va sélectionner du coup les corners juste là. Et bon, c'est pas grave. On va mettre un truc en mode pont-levis comme ça ouvert. Chains. Et on va faire un truc comme ça, voilà. Pam. C'est très moche, mais c'est pas grave. Pam. Voilà. J'aurais juste à copier ça et à faire ça tout le tour. Et puis on sera bon. On aura un petit début de château pas mal. Et le monsieur Bass là-bas. Oh, waouh. Bon, en vrai, son truc, bah, je l'aime un peu, mais pas trop non plus. Genre, le mien, en vrai, je le trouve plus stylé déjà avec le pont-levis. Non, en vrai, le mien, je trouve 10 000 fois plus stylé, franchement. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte, ok, il va peut-être copier un truc, je sais pas. Boum, on sélectionne, on casse tout et ça part. Qu'est-ce qu'il est en train de préparer là? Ça m'inquiète quand même, ça. Slash réaliste fois 100, les amis, c'est bon, on y est. Pff, oh, je stresse un peu quand même, hein. Bon, 3, 2, 1. Entrée. Oh, c'est rouge carrément. Poisson, ça part. Voilà, mais même les trucs, ils ont arrêté de tomber là. Oh, ça a arrêté de tomber. Regarde-moi ça, ça lag. C'est la surprise, progression. Oh là là, ça prend trop de temps. Oh. Mais Shadow, mais c'est quoi ça, dis donc? Oui, c'est quoi ce délire? Regardez-moi ça. Et c'est qu'il y a un petit château qui vient d'apparaître là, dis. Mon gars, c'est le foisson. Non, mais regardez ma hache, c'est quoi cette hache de zinzin là? Bah, mais comment ça, mon ref? Voilà, j'en prends une comme ça là. Regardez-moi ça là, regardez-moi cette dinguerie. Oh, le château de zinzin. Franchement, il n'y a pas plus réaliste. Non, là, franchement, on a fait très très fort. Vraiment, là, le slash réaliste, il marche tellement. J'ai quand même en vrai envie de finir le mien qu'il y a là. Parce que bon, on a une façade là, vite fait, c'est un peu nul. C'est quoi? J'ai envie de la finir, mais. Oh là là, mais t'es cramé, Shadow, t'es cramé. Allez, tu sais quoi, je rebouche. Oh la dingue. Ça, c'est vraiment un beau château. Les drapeaux, tout est mieux que ce que j'ai fait en fait. Genre tout. Il va peut-être se démute. J'ai envie de finir mon petit château quand même là parce que bon. Slash slash paste. Pam. Comme ça, voilà. Allez, ça part. On va dire à la top que c'est terminé. On va voir sa réaction. Non, le château est vraiment beau. Là, je suis vraiment fier. C'est le max qu'on peut faire. À vous les 100 euros et du coup, c'est la top. Il va régaler. Ok, la top, c'est terminé. J'arrive. Je suis déjà chez toi. C'est trop tard. Tu poses les crayons. 3, 2, 1 et. Oh, oula. Non, mais mec, non, mais t'as troll. C'est quoi ce bordel? Mais quoi, comment ça, j'ai troll? Il est super mon château là. Non, mais mec, t'as fait quoi? Mec, il est pas rempli. C'est quoi ce. Mais il est très bien ce château. Bon, il est pas fini, mais il est sympa. Non, genre, j'ai fait un pont-levis. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Non, mais Shadow, hé. Tu vas te calmer déjà, tu vas baisser d'un ton. Ok, tu me parles pas comme ça, viens voir. On va parler, toi et moi, entre grands. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, ouais. Shadow. Tu vas me dire que t'as eu le temps de construire ça. Oui. Il est pas du tout apparu comme par magie grâce à une commande. Quelle commande? Mais je sais pas, c'est à toi de me dire. Je sais pas gros, là c'est. Pour moi c'est un château normal. Je sais pas parce que t'avais fait un petit château rose un peu moche et d'un coup pop il a été remplacé par celui-là. Alors vas-y, mais t'as triché aussi, t'as je m'as espionné. Mais comment ça j'ai triché? C'est toi qui triches là. Tu m'as espionné. Et alors? Oh non. Tu m'as espionné là. Comment tu m'as espionné en pied gros? Non en vrai oui j'ai triché dans ça, c'était le but de la voilà. Après c'est stylé quand même, il est stylé château. Il est très stylé, ça j'ai jamais dit le contraire, mais vraiment. C'est pas toi qui l'a fait quoi. Tu donnais 100 balles du coup la top hein. Bah non du coup vu que t'as triché. C'est moi qui l'ai donné c'est ça? Ouais. Bon bah ouais ok. C'est allez. Moi qui l'ai donné 100 euros voilà. Bien joué à toi. Super. 100 euros pour vous les gars. Abonnez-vous.